Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Nous revoilà ensemble pour la journée, pour ce nouveau vlog. Aujourd'hui, on est mardi 5, je crois. Je vérifie, mais je crois que c'est ça ce qu'on a repris. Oui, c'est ça. On est mardi 5 mars, du coup. Petit changement de programme pour ceux qui ont suivi hier nos petites aventures. Je vous avais dit Roxane, l'école et tout, machin, vidéo chouette. Sauf que hier soir, j'ai reçu un mail de sa maîtresse qui rappelait aux parents à 20h, hein, à 20h à peu près, qu'il y avait le carnaval aujourd'hui. Déjà 20h, je me suis dit, oh, mais c'est le carnaval demain, j'ai pas de quoi faire le costume de Roxane. Enfin, je peux pas lui mettre n'importe quoi. Roxane, elle aurait refusé de porter. Ben, je dis, j'ai pas eu le mot. Enfin, bref, j'ai dit à Mathieu, comment je fais? Puis il me dit, t'es sûr de vouloir la mettre au carnaval? Il me dit, relis le mail. Donc, je relis le mail et en fait, c'est écrit carnaval demain, machin. Boum, le matin et crêpe partie. Et là je dis boum, avec de la musique, tous les enfants vont crier, vont danser. Ah bah je dis bah non, c'est mort. Donc du coup j'ai envoyé un mail à la maîtresse en lui disant que de toute façon j'avais pas de costume pour Roxane, que bah en plus ça aurait été en décalé, elle serait arrivée habillée normalement, elle aurait vu tous les autres habillés en costume, elle se serait dit bah comment ça se fait et pas moi, enfin bref. Et du coup je lui ai dit que de toute façon avec la musique je pouvais pas mettre Roxane, sachant qu'en ce moment elle était plutôt calme. Je voulais pas réaugmenter tout ça vu qu'elle est hypersensible au bruit et que c'est notifié. Donc du coup je lui ai envoyé un mail et je l'ai gardé ce matin. Roxane s'est quand même levée à 6h ce matin et donc je lui ai expliqué qu'elle n'allait pas à l'école parce que ce matin il y avait le carnaval. Donc au début elle m'a dit le carnaval? J'ai dit oui mais il y a beaucoup de musique à l'école. Oh non maman, pas la musique. Voilà, donc j'ai dit non mais de toute façon j'avais l'intention de ne pas te mettre à l'école parce qu'il y avait la musique fort et tout ça. Donc du coup elle est restée avec moi ce matin. Donc c'est le petit changement de programme qu'on a eu, voilà. Mis à part ça, pas d'autres changements de programme, tout le monde est à l'école et voilà. Donc ce matin, vu que Roxane s'est levée à 6h, j'ai essayé de me poser un petit peu avec elle dans le lit, d'où cette tête un peu de déterré, parce que je commençais à piquer du nez, je vous avoue. J'ai essayé de me poser avec elle dans le lit, mais elle n'est pas décidée à dormir, donc elle dormira cet après-midi. Je vous avoue que moi j'aurais bien dormi pour le coup, mais bon, c'est pas grave. Donc Miss Roxane n'a pas dormi, enfin ne dort pas, voilà. Et moi ce matin j'attendais mon colis qui est juste là, voilà. Donc c'est colis Aromazone, je vais l'ouvrir avec vous après. Le livreur, il était désemparé, il trouvait pas notre adresse, je trouve pas votre numéro, je suis à côté d'une école. Mais je dis nous on n'est pas une école monsieur, on est à côté d'un lycée. Mais je trouve pas. Du coup je lui ai dit mais attendez je sors. Comme ça si je vous vois arriver je vous dis de vous arrêter quoi. Ouais ouais on fait ça. Il est arrivé. Ouah putain je trouve pas. Je meurs. Le pauvre monsieur il était désemparé. Ça m'a fait rire mais lui ça a dû le saouler. Enfin bref. Allez on ouvre le colis et puis après je me mets au ménage. Parce que bah, pour l'instant je vous avoue qu'il est pas rangé. Donc après on se met au ménage. Et voilà. Mais d'abord, on ouvre le colis. Je vais mettre dans ce sens parce que sinon, on est en contre-jour et vous voyez rien du tout. Bon, alors, hop là. Du coup, hier, j'ai passé une grosse commande chez Aromazone. Je pense que à peu près, il y a beaucoup de gens qui connaissent ce site. Si vous ne connaissez pas, c'est un site de produits naturels pour les cheveux. Tout ce qui est huile, je sais pas moi, henné, poudre végétale, etc. Mais ils font aussi tout ce qui est produits naturels pour l'entretien de votre maison aussi. Ils font des recettes, etc. Et en fait, c'est super bien fait parce que moi, il y avait un moment, j'avais pas été. Et en fait, maintenant, par exemple, si vous avez besoin d'une recette, je sais pas, pour un produit vaisselle, par exemple, ils vous montrent la recette. Et si cette recette vous intéresse, ils vous fait ajouter au panier. Et en fait, ça vous ajoute tous les produits directement. Vous n'avez plus besoin de les chercher sur le site et tout ça. C'est trop bien fait. Bref, moi, je n'ai pas commandé de trucs pour la maison. Enfin, si, un, mais c'est pas vraiment un truc pour la maison. C'est une brume d'oreiller. Roxane, dis donc. Une brume d'oreiller pour Roxane parce que c'est un truc qui détend et qui fait dormir et qui a un sommeil réparateur, etc. Et donc du coup j'ai juste pris ça. Après j'ai pris surtout pour mes cheveux. Donc première chose que j'ai pris ceci.
C'est une coloration végétale, je vous en ai parlé hier parce que j'en ai marre que mes cheveux ils aient deux couleurs et que celle-là c'est couleur queue de vache, j'ai l'impression. Enfin bref. Donc j'ai pris un châtain foncé. Donc c'est tout prêt hein, à l'intérieur, couleur végétale. Vous avez juste à tout sortir et tout est prêt. Hein, voilà, c'est trop bien. Et ça je vais le faire sûrement ce soir parce qu'on fait rien. Donc ça sera sûrement ce soir parce que comme j'ai les cheveux propres, ça tombe très bien, il faut le faire sur cheveux propres. Ensuite j'ai pris un petit flacon spray. Bah justement voilà, il ressemble à ça. Voilà, c'est justement pour faire la brume d'oreiller. Donc en fait la brume d'oreiller m'intéressait. Donc j'ai regardé tout ce qu'il y avait comme ingrédients dedans. Je me suis dit ah ça a l'air sympa et tout. J'ai fait ajouter au panier. Ils ajoutent tous les ingrédients, juste les doses dont vous avez besoin. Et ensuite, ils vous demandent si vous avez besoin de matériel. Et ils vous proposent tout le matériel dont vous avez besoin. Donc là, on avait besoin d'un spray. Donc j'ai pris un petit spray. Voilà. Donc franchement, c'est les petites bouteilles en verre. Enfin, c'était trop bien fait. Avant, c'était pas comme ça. C'était trop bien fait. Donc voilà, j'ai pris un petit comme ça. Comme ça. Bref, un petit flacon en verre, quoi. Hop, tac. Ensuite, qu'est-ce que nous avons d'autre ? On a des petites pipettes parce que bah, pour faire les soins cheveux et tout ça dont j'ai besoin parce que j'ai pris un démêlant et un soin à mettre tous les jours sur les cheveux à faire soi-même, il me fallait des pipettes. Donc j'en ai pris plusieurs. Du gel d'aloe vera, indispensable pour la réhydratation des cheveux. Donc comme on peut voir, mes cheveux sont carrément secs. Donc un peu de gel d'aloe vera. J'ai pris de la glycérine végétale. Ça c'est pour mettre par exemple dans ma coloration végétale, je peux en rajouter, ça va permettre de les réhydrater un peu, ou dans mes soins et tout ça, je peux prendre de la glycérine, mettre de la glycérine. Je sais pas si vous voyez quelque chose, voilà, glycérine végétale, voilà, et là c'est un gros soin, hein. Enfin c'est un gros format parce que là c'est 250 ml, l'aloe vera moins c'est 100 ml celui-là. Ensuite, on a une petite spatule, donc ça c'est pour faire tous mes trucs que j'ai besoin de faire, toutes mes préparations, voilà. J'avais besoin de petites étiquettes, regardez, elles sont trop belles leurs étiquettes. Donc j'ai pris ça, hop, oh, c'est flou, voilà. J'ai pris plein de petites étiquettes comme ça pour mettre sur le flacon, dessus là. Et ça serait écrit brume d'oreiller pour Roxane, enfin brume d'oreiller tout simplement, pas pour Roxane, mais c'est essentiellement pour elle. Donc tac. Elles sont trop belles, j'adore. J'ai pris un petit pot en verre. Non, je vous montre pas dans le bon sens. Comme ça. Oh, bah décidément. Tac, voilà. Et ça, c'est pour faire un soin démêlant au monoeil. Hop, tac. Regardez, il est trop beau. Tac. Donc, j'ai pris ça aussi. Donc, il faut savoir que toutes mes préparations, moi, j'ai imprimé toutes les recettes sur leur site. Je les ai déjà sur mon bureau. Et en fait, c'est tout Mathieu qui va faire. Parce que Mathieu, il adore faire ça. Quand je lui ai dit je commande sur Aromazone, il était trop content parce qu'il adore faire ça. Ensuite, il me fallait du macérat huileux de Monoeil. Donc, c'était dans la recette. Donc, tac. Comme il vous donne le bon grammage, ils vous mettent automatiquement deux trucs. Parce que si vous en mettez qu'un, il n'y en a pas assez. Les quantités se mettent automatiquement, c'est trop pratique. Donc là j'en ai pris, bah ils en ont mis deux dans mon panier, donc voilà, deux petits machins. Comme ça j'en ai pas trop, en plus je trouve que c'est bien. Il me fallait une truc gradué comme ça là, comment ça s'appelle, une éprouvette graduée pour faire les bons dosages. Là on a un petit bouchon, donc je dois avoir quelque chose avec un bouchon, je vais le mettre là. Là on a un démêlant cheveux, voilà, donc ça c'est avec ça que je vais faire mon démêlant cheveux. Je pense que c'est ça qu'il va falloir faire chauffer. Cosmétique maison émulsifiant BTMS. Démêlant cheveux s'utilise pour apporter des propriétés lissantes et démêlantes à vos après-shampoings et soins pour cheveux. Voilà, donc comme ça, hop, j'ai pris ça. Qu'est-ce qu'on m'a mis dedans? Ça, c'est rien. Ensuite, là, on a des huiles essentielles. Alors, on a une huile essentielle de citron, juste là, vous voyez pas, je suis désolée, Roxane a crié derrière. On a de l'huile essentielle de chanvre, donc ça c'est pour la brume d'oreiller. On a de l'huile essentielle, ah non, on a un conservateur Cosgar. On a aussi un cosmétique, un autre cosmétique, donc ça c'est pour l'une des recettes que j'ai choisi. Alors je pense que je vous montrerai les recettes parce que là je les ai pas en tête. On en a un autre, je saurais pas dire le nom,
cholmogras, je ne sais pas. Et framboise gourmande, donc ça c'est pour que mon démêlant sente la framboise, ça je sais. Hop, on a un autre petit truc ici, donc ça je pense que c'est pour mon soin quotidien sur les cheveux. Tac. Oh, il y a plein de trucs. On a un sérum acide hyaluronique, ça c'est pour mon soin cheveux, ça je m'en rappelle, c'est pour mon soin cheveux. J'ai eu un sérum niacinamide, 10% cuivre et zinc, anti-imperfection et régulateur. Ça c'était un petit cadeau, parce que comme j'ai fait une grosse commande, j'ai eu ça offert, c'était trop cool, donc je suis contente, je vais pouvoir le tester. Donc voilà, je vous en dirai des nouvelles. Et ensuite, j'ai encore plein de trucs, hein. Là on a de l'huile essentielle de lavande je crois. Oui, ça c'est pour la brume spray de Roxane, la brume d'oreiller. Petit grain bigarade, ça aussi je sais que c'est des propriétés relaxantes. C'est pour la brume d'oreiller. Romarin, ça c'est pour mes soins cheveux. Provitamine B5, ça aussi c'est pour mes cheveux. Ensuite on a complexe d'hydratation intense, ça aussi c'est pour mes cheveux, ça j'en ai utilisé, mais alors la dose pendant un temps quand je prenais soin de mes cheveux à l'époque. Et on a une base neutre, base de parfum, ça aussi c'est pour la brume d'oreiller. Je sais qu'on met ça, on met toutes les huiles essentielles et un peu d'eau je crois. Et ça si je me trompe pas, c'est de l'alcool à 90 il me semble, je crois. Oui c'est ça, ça sent l'alcool à 90. Voilà, bref, c'était une grosse commande. Bon, là, vous pigez pas tout ce que je vais faire parce que vous dites, ouais, c'est cool, t'as plein de produits, mais on n'a pas les recettes. Quand je les aurai faites, quand je les aurai testées, si je vois des améliorations sur mes cheveux, je vous promets que je vous montrerai toutes les recettes, etc. Et ça, de toute façon, vous verrez comment je l'utilise ce soir parce que ça, c'est Mathieu qui me l'a fait. Enfin, moi, je la prépare et après, Mathieu la pose sur ma tête, comme ça, c'est plus facile. Mais j'ai trop hâte parce que mes cheveux, ils vont plus avoir l'air, ils vont plus avoir une couleur trop bizarre. Donc, j'ai trop hâte. Mais je suis trop contente. Il y avait trop longtemps, j'avais pas commandé sur Aromazone. Et là, je suis trop contente. Je vais pouvoir reprendre soin de mes cheveux. Et ça, c'est trop cool. Je suis en train de regarder au niveau de mes recettes, là, les amis de... Attends, tu remettras après. Attends, je suis perdue. Attends. Concentré d'hydratation. Ah, je sais plus. Oui, ça doit être ça. Voilà, c'est bon. Bon, les amis, je suis en train de regarder mes recettes que j'avais imprimées là sur... sur Aromazone pour voir si j'avais bien tout, remettre tout en ordre. En vrai, la brume d'oreiller au chanvre, bien dormir, elle s'appelle. Il vous faut juste de la base parfum, comme ça, donc de l'alcool à 90. De l'huile essentielle de chanvre, il vous faut 9 gouttes. Il vous faut de l'huile essentielle petit grain bigarade que je vous ai montré là. Bigarade, comme ça. Hop, tac, tac, tac. Voilà, il vous faut ça. Il vous faut 17 gouttes et de l'huile essentielle vraie de Bulgarie. Bon, de l'huile essentielle, quoi. 9 gouttes. Et vous mettez les huiles essentielles et la base de parfum directement dans un flacon. Donc, dans ça. Donc, je vais venir remplir de base de parfum, mettre mes huiles essentielles, je secoue et c'est prêt. C'est tout. Et ça, c'est trop bien. C'est trop cool. Et ça va aller hyper vite. Ensuite, j'avais choisi la recette d'un concentré hydratant cheveux longueur et pointe. Où là, on va utiliser le sérum acide hyaluronique, le complexe hydratation intense et le citron. Et je mets tout, en fait, je mets le complexe d'hydratation intense. Est-ce que j'ai bien mis, j'ai bien les gouttes, les comment ça s'appelle, je ne vais pas y arriver. Est-ce que j'ai bien les quantités? Alors, concentré, voilà. Donc, concentré d'acide hyaluronique, j'ai 30 ml normalement. C'est ça. Là, il me faut 16 gouttes. Je mets le complexe d'hydratation intense. Je mets 16 gouttes là-dedans. Et je mets une goutte là-dedans. Et mon sérum est prêt. Franchement, c'est trop cool. Je suis trop contente. Bref, du coup, j'avais pris ça. Et j'ai aussi... fait une commande, enfin j'avais rajouté en plus de ça et je m'en rappelais plus,
Je l'ai vu tout à l'heure, le truc anti-chute. Ah là, masque tonifiant du cuir chevelu, stop chute au romarin et maca vital. Et un masque démêlant au monoeil. Donc autant vous dire que j'en ai pour un moment, parce que là vous voyez, quand ça j'utilise une goutte, il va m'en rester automatiquement. Je suis trop contente. Regardez les amis, j'ai fait ma petite brume. Donc j'ai noté brume d'oreiller bien dormir, puisque c'est son nom. Voilà, franchement ça m'a pris 30 secondes à le faire, hyper rapide. Donc je vais en mettre déjà sur l'oreiller de Sarah. Tac, et je vais faire pareil sur l'oreiller de Miss Roxane. Je vais vous dire l'odeur, parce que pour l'instant j'ai pas senti. Oh, je vais me mettre plutôt sur l'oreiller de Sarah, parce que c'est plus haut. Oh, ça sent trop bon. Franchement, on sent derrière l'alcool, mais ça sent pas très fort. Et franchement, le chanvre, vous connaissez un peu l'odeur du chanvre, mélangé à la lavande vraie, déjà ça sent hyper bon le frais. Ah, franchement, j'aime trop. Ça sent trop bon. D'abord, j'aime tellement que je vais aller en mettre sur mon oreiller. Je vais mettre ça sur mon oreiller. Franchement, ça sent super bon le frais. Je ferai sentir à Mathieu tout à l'heure sans lui dire c'est quoi. Et comme ça, vous aurez sa réaction en direct. Franchement, ça sent super bon le frais. J'adore. Donc là, j'avais noté normalement, enfin j'avais gardé sur la brume combien de temps ça se conserve et comment, je crois. Tac, tac, tac. Conservé. Bien conservé et fabriqué dans des conditions d'hygiène, votre produit pourra se conserver au moins 6 mois. Donc, je vais mettre quand même une petite date derrière de quand je l'ai fait. Et je vais bien le mettre à l'abri de la chaleur et de la lumière. Donc, il faut que je le mette dans le noir. Donc, je vais le mettre directement dans mon armoire. Comme ça, je suis sûre qu'il est à l'abri de la lumière et que ça tourne pas. Tac. Donc, je vais le mettre ici dans mon armoire, tac, et je le range comme ça. Je suis sûre que ça se conserve bien. Faut juste que je rajoute une petite étiquette avec ma Dimo pour dire que je l'ai fait aujourd'hui. Comme ça, je sais que la date de péremption, je vais l'écrire la date de péremption, comme ça je serai tranquille. Bon, j'ai rangé tous mes trucs Aromazone bien comme il faut, dans le noir, dans leur carton, etc. En attendant, je pense que cet après-midi, je me ferai un soin anti-chute, là, que je vous ai dit. Comme ça, je laisserai poser cet après-midi, je me laverai bien les cheveux, qu'ils soient bien propres. Comme ça, ce soir, Mathieu me posera bien mon nez. Ça sera parfait, puisque comme on refait pas de shampoing après un nez, parce que sinon ça peut enlever les pigments, en gros vous rincez, vous faites juste un démêlant, comme ça mes cheveux seront vraiment propres, et ça sera parfait. Donc là, je suis en train de ranger un petit peu le bazar que Roxane m'a sorti, et j'avais pris la caméra pour vous dire que le spray là, la brume, c'est une tuerie. Là, en fait, je suis dans la chambre des filles où j'ai brumé les deux oreillers. Il n'y a même pas la fenêtre ouverte. Hein. Ça sent archi bon dans leur chambre. Et j'ai été... mince, vous ne voyez plus. J'ai été dans la mienne où je n'ai juste brumé que mon oreiller. Et ça sent, mais archi bon. Ça sent trop bon dans leur chambre. Et du coup, j'ai dit dans ma tête, parce que j'aime bien parler toute seule quand je suis toute seule, je me suis dit, je vais cheater le canapé dans la maison, dans la salle, comme ça, ça va sentir hyper bon dans la maison. Franchement, trop trop agréable. Franchement, c'est une tuerie ce truc, une tuerie. J'adore. Franchement, je pense que je vais le valider à fond les ballons, parce que franchement, mais ça sent vraiment très bon, vraiment, j'exagère pas, franchement, ça sent archi bon. Est-ce que ça va tenir toute la journée? Je sais pas, mais là, sur l'instant, là, tout de suite, ça sent trop bon. Qu'est-ce qui se passe, Roxane? La pleureuse, il n'était pas. Les saucisses, elle m'a piqué. La saucisse, ça t'a piqué? Oui. Comment ça se fait? J'ai mangé les saucisses et il m'a piqué. Et c'est mes blessures. Et après, j'ai mangé et j'ai bois un peu d'eau. Et après, il y a que la pleureuse et j'ai mangé la saucisse, mais ça pique. J'ai mangé la saucisse, mais ça pique. Comment ça se fait que la saucisse, ça pique? Ça pique, mais je sais pas. Parce que maman s'est trompée. Oui. Maman, au lieu de mettre une chipo, elle a donné une merguez.
Du coup, Roxane a mangé la saucisse, elle m'a dit, maman, j'ai mangé la saucisse, mais ça pique, hein, c'est vrai. Ouais, oui. Ça pique beaucoup ou un petit peu? Beaucoup. Beaucoup? Non, un petit peu. Un petit peu? Ouais. T'es sûre? Tu veux encore manger? Oui. De la purée? Je vais regarder s'il reste des chipots, mais je crois pas. Oui. On va essayer de trouver une saucisse qui pique pas. Hein? C'est aujourd'hui ou bah oui, c'est aujourd'hui. Comment il m'énerve, toujours dire qu'on n'est pas là. Oui, Roxane. Oh pardon, excusez-moi. Maman, elle est en train de râler, donc du coup, t'es pas contente. Oh. Bon, Sarah, comment vas-tu? Bien. T'es très contente aujourd'hui? Oui. Pourquoi t'es très contente? Parce que j'ai gagné 10 points. Ouais, Sarah, elle a eu son 10e bon point. Bon, on avait offert la Rainbow Eye avant. On y a offert avant les vacances parce qu'il en manquait plus qu'un bon point. Donc elle a déjà eu sa Rainbow, mais il te reste plus que 10 bons points pour avoir la moyenne image. Ouais. Et tu auras eu combien de bons points en tout? 50. 50 bons points. Bravo. T'es trop une fortiche. Donc du coup, elle est en train d'ouvrir son colis. Alors, je sais pas dedans ce que c'est. Ah, c'était produit pour ton eczéma et le bain. Ouais. Et il doit y avoir ta... Il n'y a pas ta truc dedans? Non. Ah bah d'accord. Méga tube. Ouais, ça c'est pour, pour ton bain. Là-bas, c'est pour ton bain, là. Et ça, c'est pour ta oui, peau. C'est froid. Bah oui. Et là, on m'a dit que j'étais absente, les amis. On me met ça, qu'à 8h30, j'étais pas là, j'ai pas bougé de la maison, ça m'énerve. Mais bon, bah du coup, ça doit être ta robe. Je vois que ça. Ça doit être ta, ton costume Reine des Neiges. Mmh, bah oui. Du coup, tu l'as pas eu. Ben non, ils ont dit que j'étais pas là. Tu vois, c'est écrit absent, 8h30, sonner porte. Il n'y a personne qui a sonné, sinon j'aurais été là, puis les chiens auraient aboyé un petit peu quand même. Donc du coup, il faut que j'aille chercher cet après-midi. Voilà. Hop, du coup, je me mets dans la chambre pour vous parler, puisque Roxane s'est endormie et que elle vient tout juste de s'endormir, donc le sommeil, il est encore léger. Tout à l'heure, en fait, elle s'est endormie et j'ai juste ouvert l'aquarium pour donner à manger aux poissons. Et en fait, tout de suite, elle m'a dit, qu'est-ce que tu fais? Donc, comme je veux qu'elle s'endorme, je me pousse, je parle pas comme ça, enfin, elle m'entend moins. Du coup, elle s'endort tranquillement. Donc là, tout le monde est reparti à l'école. Roxane se repose, ça va lui faire beaucoup de bien. J'attendais qu'elle dorme, donc là ça va lui faire du bien. Pendant ce temps-là, j'ai fait mon lit aussi. Ça y est, il est propre et ça sent toujours bon dans ma maison. C'est juste trop trop bien. Du coup, j'ai montré à Mathieu tous mes petits produits et tout. Il était trop content parce que autant Mathieu a pas de cheveux, mais il adore quand je prends soin de mes cheveux. Il sait que ça me fait du bien et lui, il aime bien. C'est normal d'aimer voir sa femme prendre soin d'elle. Pour le coup, je me jette pas des fleurs, mais je pense que c'est hyper agréable. Moi, j'aime bien quand il prend soin de sa barbe, qui prend soin de son corps, qui met du parfum, enfin voilà, on aime bien. Bah, je pense que lui c'est pareil, donc là je lui ai montré tous mes produits, donc il était content. En plus il sait qu'il va jouer les petits chimistes, donc il est hyper content. Je lui ai dit en rentrant, est-ce que tu pourras me poser mon aîné parce que c'est plus simple. Il m'a dit ah oui oui, pas de problème, t'inquiète, c'est moi qui fais, j'aime bien, enfin voilà. Et du coup, je lui ai dit que là, j'avais rangé dans mon armoire et dans le carton. Et je lui ai dit, par contre, il faudra que je trouve une place cet été parce que dans la maison, il va faire chaud cet été. Et j'ai peur que mes produits y tournent parce qu'il faut que ça soit à l'abri de la chaleur. Et je lui ai dit, rappelle-toi, les miens, j'ai dû tout jeter parce que bah ils avaient même plus la même couleur ou la même texture parce qu'il avait fait trop chaud dans la chambre. Donc du coup, ce qu'il a fait Mathieu, c'est qu'il a acheté un petit frigo sur Cdiscount, un petit frigo spécial cosmétique. Donc franchement, je suis trop contente. On va mettre ça dans la chambre et comme ça, je pourrais mettre mes produits. Ils seront à l'abri de la chaleur et de la lumière dans le petit frigo, c'est parfait. Qui est spécial pour ça. Et du coup, il peut même servir à aller dans la voiture. Et Mathieu me disait, au moins pour cet été, tu seras tranquille, tu mettras dans la caravane et tu pourras mettre tes produits aussi. Parce que du coup, je prends mes crèmes, la crème solaire, la crème de jour, de nuit, etc. Bah, tout ça, ça reste dans la caravane. Alors que dans la caravane, il me fait une chaleur sans nom. Donc du coup, j'aurai ça aussi pour cet été. Donc franchement, je suis trop contente. Je sais que là, mes produits vont pas être perdus. Et puis, ils seront rangés, ce qui plutôt bien aussi. Donc voilà, donc je suis trop contente. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que là, il faut que je repasse
parce que j'attends d'avoir 3-4 machines à laver dans la enfin de 3-4 tournées en gros, qui ont lavé, séché, hop, dans la bannette. Là je dois en avoir 3 ou 4, donc je vais pouvoir repasser comme ça, je sors pas le fer à repasser juste pour une tournée et recommencer encore, comme ça j'ai au moins une ou deux journées tranquilles sans repasser, juste je m'occupe du linge. Et pendant ce temps-là, je vais laisser poser mon soin cheveux, parce que là je vais faire le soin cheveux tout de suite, comme ça. Comme tout à l'heure, le aîné, j'aurais fait mon soin et tout, j'aurais les cheveux propres et je serais tranquille. Donc il faut que je prépare mon soin, que je fasse mon repassage. La chambre du coup c'est fait, la chambre de Sarah c'est fait aussi. Romane gentiment tout à l'heure m'a fait la cuisine, donc je lui ai dit non mais t'inquiète je vais le faire tout à l'heure. Elle m'a dit non mais ça me fait plaisir de le faire. Voilà, donc du coup Romane m'a fait la cuisine, donc du coup il me reste les toilettes et la salle de bain et balayer le couloir et j'aurai fini. Donc parfait, voilà. Puis comme Roxane dort, j'ai un petit peu plus de temps, donc ça c'est cool. Il faut juste que je regarde sur internet parce que pour le soin que je vais poser là cet après-midi, je me rappelle plus le temps de pose et j'ai oublié de le mettre dessus. J'ai pas fait la capture d'écran et imprimé, j'ai oublié, donc je vais le rajouter sur mon papier. Mais il faut que je regarde ça, donc let's go, c'est parti. Et voilà, le chef est en mode coloration. Il est content. Mathieu, il aime bien faire ça. Bon, voilà ce que le aîné, là je l'ai préparé. Voilà ce que ça donne, ce que je mets sur ma tête, ça donne très envie. Hein, voilà. Bon, bref. J'ai mis un vieux t-shirt, donc on s'en fout que ça ait coulé un peu, parce que bah du coup c'est une coloration, donc ça colore. Mais c'est pas grave, vieux t-shirt, et puis Mathieu il est en train de faire ça bien comme il faut. Je pense que ça va leur faire le plus grand bien à mes cheveux. Et une fois que Mathieu aura posé ça, du coup j'en ai pour 1h30, 2h de pause, parce que j'ai les cheveux... Chiant. Normalement c'est 3h de pause sur cheveux naturels, mais comme moi ils sont un peu... coloré, c'est plutôt 1h30, 2h. Donc j'aurai large le temps de faire mon repassage, que je n'ai toujours pas fait. Non, mais il faut que je fasse. J'avais pas envie de le faire toute seule en fait. J'aime bien quand Mathieu il est là ou les filles sont là, comme ça ils bavardent avec moi. Et là il y avait personne à la... Ouais, ça passe plus vite. Ah ouais, donc du coup j'ai attendu que Mathieu et les filles arrivent pour pouvoir discuter le temps que je repasse. Et puis comme ça, ça va agir en même temps et ça sera très bien. J'ai pas besoin d'attendre pendant 1h30. Tout seul à rien faire quoi. Donc voilà, puis après ça sera rinçage et démêlant que Mathieu va préparer tout à l'heure. Ouais. T'es content aussi? Ouais, j'aime bien. C'est bon, du coup j'ai une charlotte en papier, j'ai du cellophane plus la charlotte comme ça ça reste bien au chaud, ça prend pas l'air, ça évite que le aîné sèche parce qu'il faut pas que ça sèche sinon c'est trop dur à enlever. Ah, Sarah est contente, t'as reçu ta robe reine des neiges, on va pouvoir voir si c'est la bonne taille j'espère. Et après repassage parce que je vais pas y arriver à ce repassage et puis ça jusqu'à 19h, 19h30. Comme ça, je serai tranquille. Après, j'aurai des beaux cheveux. Allez, montre-nous. Hey.
Alors, va falloir que tu m'enlèves ce gros pull pour qu'on essaye voir si c'est la bonne taille. Attention, parce que comme vous n'avez pas nettoyé la table et que vous avez goûté, j'aimerais bien que tu la salisses pas la robe. Alors, elle te plaît? Ouais. Waouh! Allez, on essaye. Bon, voilà. J'ai fait mon repassage. C'est fait. Vous avez vu, Mathieu m'a posé mon aîné. J'ai laissé poser un peu plus d'une heure et demie. J'ai laissé poser 1h45. J'ai rincé la tête à l'envers. Je déteste rincer mon aîné tout entière dans la douche. J'ai juste mis ma tête à l'envers. J'ai rincé. Mathieu m'a fait aussi mon masque. Maison, donc je l'ai posé aussi, j'ai laissé poser 15 minutes, bref, il est déjà du coup 19h40, ça passe trop vite le temps, trop vite. Qu'est-ce que je voulais dire? Je ne me rappelle plus, j'étais en train de valider vos commentaires, alors j'ai beaucoup de questions sur le fait, est-ce que j'ai repris le repassage? Oui, si je vous dis que je repasse, c'est que j'ai repris le repassage. Pourquoi? Parce que j'en ai marre de voir mon linge mal rangé dans mon armoire, que ça soit pas plié correctement. Les serviettes, c'est hyper gonflé, alors que quand on les repasse, c'est beaucoup plus fin. Pareil pour les draps. Donc oui, j'ai repris le repassage. Alors pas que ça soit une grande passion, mais je trouve que c'est tellement mieux. Et en plus, pour Roxane, c'est beaucoup plus agréable parce que le linge, il est vraiment tout doux avec le repassage et vraiment, ça la gêne beaucoup moins. Donc j'ai repris le repassage. J'ai vu, il y en a aussi beaucoup qui nous ont dit sur les commentaires. On n'a pas vu les livres, etc. sur Vinted, est-ce qu'ils sont tous vendus? Non, il n'y en a que un qui est parti, mais c'est sur le Vinted de Mathieu. Donc je le remets juste ici, là. Mais c'est pas sur le mien. Je sais qu'il y en a qui sont abonnés au mien, mais là Mathieu, comme c'est lui qui a pris les photos, il a mis sur son Vinted à lui. Donc allez voir sur ce Vinted là pour aller voir les bouquins. Qu'est-ce que j'ai vu comme autre question? Alors pour la caravane, il y en a beaucoup qui m'ont demandé comment fonctionnaient les plafonniers de la caravane. Est-ce qu'ils fonctionnent à pile? Non, ils fonctionnent par branchement. Et quel est l'intitulé des luminaires? Et j'ai mis plafonnier tout simplement, et vous allez en avoir plein. Et on m'a demandé aussi la référence des housses de canapé, des housses de la caravane qu'on a acheté sur Temu. Donc je vais essayer de les retrouver et je vais essayer de vous les mettre en barre d'infos. Enfin, Mathieu va essayer de vous les mettre en barre d'infos. Je vais essayer d'y dire tout ça. Je vais le noter sur un papier comme ça. Hop, je vais vous poser. Comme ça, ce soir, quand il va monter le vlog, je lui dirai, je t'ai noté ce qu'il faut que tu mettes dans le vlog. Donc, on a dit, noter Vinted mat. Et barre d'infos, je vais mettre barre d'infos, référence, Temu, coussin, caravane. Comme ça, j'oublie pas et Mathieu et Laura, et j'essaye de vous mettre ça. Si je vois d'autres commentaires, alors franchement en ce moment c'est compliqué de tous y répondre parce que comme j'avais pris pas mal de retard dans les commentaires, je vous avoue que c'est un peu compliqué de tous vous répondre. Si j'ai un autre petit commentaire qui revient régulièrement, vous voulez savoir qu'est-ce que j'utilise comme déo que je dis qui tient super bien toute la journée et qui sent trop bon et que j'ai aussi acheté à Sarah. Comme je vous ai dit, c'est le Rexona. Voilà, c'est celui-là. Tac. Voilà, c'est le Rexona Sensitive Drive. Régule la transpiration intense, 3 fois plus efficace, fait efficace. Donc c'est le Rexona Protection Maximum. Et dedans, en fait, c'est pas une bille, c'est comme ça. C'est des petits points. Je sais pas si je vais me poser parce que là vous voyez rien. Et après je vais vous montrer le carton dans lequel il est parce que Sarah l'a encore. Oula, vous êtes un peu penché. Pic. Attention, ça ne va pas. Voilà, c'est mieux. Donc là, je vais essayer de vous montrer. Est-ce qu'il va bien vouloir? Voilà, c'est des petits points comme ça. Et en fait, vous venez tout simplement tourner la molette 2 fois. Et c'est la dose recommandée pour sentir bon toute la journée. Donc moi, j'ai celui-là. Et Sarah, il est dans sa chambre, si je ne me trompe pas. Il est là. J'ai raison. Voilà. Et Sarah, c'est celui-là.
Voilà, c'est exactement le même, sauf que moi, au lieu d'être rose, il est bleu. Mais celui-là, c'est celui de Sarah. Il sent très bon, il tient très bien, elle aime bien. Et celui-là, c'est le Confidence. Pareil, régule la transpiration intense. Voilà, pour ceux qui me demandaient la référence du Rexona. Voilà, et moi, je l'achète à Leclerc. Alors, franchement, il n'est pas donné. Hein. Je crois qu'il arrive à 4 euros, je crois. Peut-être même un peu plus. Mais franchement, il tient vraiment toute la journée et il est vraiment trop bien. Voilà, après, est-ce que je vois d'autres commentaires? Pour l'instant, je ne vois pas. Rien, tu repasses, j'avais l'impression d'être en voie de disparition. Non. Moi aussi j'ai l'impression d'être en voie de disparition. Il n'y a plus grand monde qui repasse maintenant, mais me voilà, je repasse moi aussi. Bref, allez, je vais aller manger parce que là, Mathieu et les filles m'attendent. Donc on va aller manger. Ce soir on mange le poulet avec des frites. Par contre j'ai les cheveux rêches. Et je suis contente de manger ça parce que j'ai faim. Je passe du coq à l'âne et j'espère que mes cheveux vont pas être trop rêches parce que souvent quand on fait un henné et que là ça faisait longtemps que j'avais pas fait mes cheveux, ils vont ressembler à rien au début parce qu'ils sont pas contents. Mais après ils seront contents. Mais là ils seront pas contents au début. Mais j'espère que ça a pris. J'ai l'impression quand même. Je vais essayer d'allumer la lumière là. Est-ce que j'ai l'impression quand même que mes cheveux sont plutôt uniformes. On verra quand ils seront bien sec. Je sais pas là. J'ai l'impression que ça n'a pas trop pris quand même. En tout cas, une chose est sûre, c'est que j'ai plus de cheveux blancs. Et ça, c'est cool. Bon, bref, on verra tout à l'heure quand ils seront bien secs. J'arrête d'y toucher. Allez, je vais manger. À tout à l'heure, les amis. Bon, et ben voilà. Il est temps pour nous de nous quitter parce que on est le soir. Il est 23h et qu'il est grand temps de couper le vlog. J'ai mes cheveux qui ressemblent à rien parce qu'il y a 2 secondes ils étaient attachés. Du coup ça me perturbe. Voilà, on va les mettre comme ça. Du coup ce soir on n'a rien fait de particulier, mis à part qu'on a fait les menus et on a recopié les menus puisqu'en fait c'est les filles qui sont chargées pendant que je me rinçais les cheveux et que Mathieu préparait mon eau de rinçage au vinaigre de cidre. Bref, du coup ils ont eu plein d'idées de repas, du coup elles ont tout noté et en fait avec toutes les idées qu'elles avaient notées, on a fait les menus de la semaine, donc c'est plutôt pas mal. Et après on a passé le drive. Comme ça c'est fait et on pourra aller le chercher demain. En espérant que demain ma réunion KT ne finisse pas trop tard parce que demain j'ai réunion KT. Donc comme demain on récupère le drive, vous avez vu, j'ai du vernis qui est parti. Faut que j'arrête de passer du coq à l'âne, c'est que, enfin bref, ça m'énerve. Mon beau vernis, regardez. Bref. Donc comme demain j'ai réunion KT et qu'on fait les courses, demain ça sera un retour de course et pas un vlog. Et comme ça moi ça me permet aussi d'être avec les filles pleinement et pas de penser à prendre la caméra entre deux, etc. Donc demain ça sera pas un vlog et un retour de course. Ça sera un retour de course et on se retrouvera du coup jeudi pour un vlog. Et vendredi ça sera mon jour off. Donc ça ne me fera plus qu'un vlog. Et j'aurai vlogué plus d'une semaine parce que j'ai repris les vlogs le vendredi. Ah non, ça fait une semaine tout rond. Si, j'ai repris les vlogs vendredi, non? Avant ça? Avant, quand est-ce que c'est repris? On est rentré mercredi, j'ai repris les vlogs jeudi. Ouais, c'est ça. Donc ça fait plus d'une semaine. Enfin, ça fera plus d'une semaine que j'ai repris les vlogs. Je suis contente. Par contre, il va falloir qu'on cale un live. Mais je ne sais pas quand. Parce que le vendredi, c'est pas possible, plateau Koh Lanta. Samedi soir, c'est Danse avec les stars. Le dimanche. Ouais, mais le dimanche c'est chiant parce que les gens ils ont le boulot le lundi et tout. Dites-nous dans les commentaires les jours de live que vous préférez dans la semaine, comme ça nous on fera un mix, enfin on fera un sondage mieux. Et on essaiera de faire au mieux pour ceux qui préfèrent, sachant que nous le vendredi et le samedi on peut pas. Donc dites-nous si vous préférez le dimanche soir ou le mardi soir vu qu'il y a le mercredi, les enfants et pas école, quelque chose comme ça. Qu'est-ce que t'en penses? C'était quoi ça? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle est tombée. Dans la porte. Non, c'est pas la porte, ça. T'es sûr? Mathieu, pas inquiet du tout. Moi, si. Mais non, regarde, Sarah lui dit non. C'est pas qu'elle a soif, hein, parce que là, elle a bu plein d'eau. Hein, donc, elle peut pas avoir soif, là. C'est pas possible. Qu'est-ce qu'elle a encore, la miss?
C'est quoi ce gros boom? Ah! C'est cogné la tête. Elle savait bien qu'il y avait eu un gros boom. Bon, elle pleure pas, c'est qu'elle a dû pas se faire mal, mais bon, quand même. Enfin, bref. Bon, donc du coup, je vous disais tout ça pour vous dire que demain, ça sera pas un vlog, mais un retour de course, et qu'il faut qu'on cale un live, et qu'il faut que vous nous disiez dans les commentaires quels sont vos jours de préférence pour que un maximum de monde soit là pour les lives, parce que sinon, je suis obligée de redire à chaque fois, parce qu'il y en a qui sont pas là, voilà. Donc ça serait bien de faire un truc où ça plaît à tout le monde, en fait. On pète les scores. Non, pas comme non, je m'en fous de ça, mais au moins que tout le monde soit là, parce qu'en plus, il faut qu'on fasse le récap de ce que le neuro nous a dit, parce que les abonnés ont toujours pas ça. C'est vrai. Donc ça sera bien. Ouais, effectivement. Bref, donc dites-nous dans les commentaires vos jours de préférence. Voilà, donc nous on va aller monter, enfin Mathieu va aller monter le vlog. D'ailleurs, regarde, je t'ai mis un petit post-it, tu vois, c'est écrit Vinted Mathieu, tu vois. Et il faut que je te trouve la référence des coussins Temu. Parce que les abonnés les voudraient. Mais de Vinted, je le sais. Oui, mais il y en a qui n'ont pas vu. Donc je voudrais le. En fait, il y a un moment dans le vlog où je te dis, on remet le truc là. D'accord. Voilà, et il faut remettre. Il faut que je te trouve les références Temu. D'accord. Des coussins. Ok. Voilà, et il y en a même qui ont demandé les références. Enfin, j'ai dit plafonnier. Mais si on pouvait mettre le plafonnier qu'on a trouvé pour la caravane d'Amazon, ça serait lequel, encore... Celui des toilettes ou celui les de... Les deux. Ok. Si ça te, si c'est possible, chef. Oui, oui, on fait de la pub gratuite à... Bah oui, je fais... Ouais, donc, pas besoin de collab, moi je leur mets des trucs. Bref, passons. Allez, je vous fais tout plein de gros bisous, les amis. Je vous dis à demain dans le retour de course. Je vous embrasse fort. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et reposez-vous bien. J'ai envie de dire, parce que moi il est tard, donc là je vais aller dormir. Voilà. Allez, ciao les amis, à demain.